de Dieu, le pasteur Jean-Luc Punga, mchungaji Jean-Luc Punga, des Perfections Tabernacle Ndola Nzambi, wa maskani Perfection kule Kundola Muzambia. Il va nous apporter la parole, atatuletea neno ya Mungu, et il est venu pour nous consoler. Na alikuya kwa ajili ya kutufariji. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes venus après confinement. Tunakuja kisha confinement. Je sais qu'il y a eu un coup dur qui s'est passé ici. Najua kwamba kulikuya ngumi ya nguvu kabisa ilipitikana hapa. Mais César nous a bloqué de l'autre côté. Walakini César yatufungia njia ile ngambo ya kule. Pour venir pleurer notre bien-aimé. Kwa ajili ya kuya kumlia mpendwa wetu. Mais comme on nous a un peu libéré, walakini vile wanatufungulia njia. C'est ainsi que j'étais venu. Ni vile nilikuya kuvoir kumiona un peu pleurer aussi avec vous. Na kulia pamoja na mweye. Je sais qu'il n'y a rien pour rien. Najua kwamba hakuna jaburi kwa ajili ya bure. Tout c'est la volonté du Seigneur. Yote ni mapenzi ya Bwana. C'est ainsi je veux partager ce matin un sujet de consolation. Hivi hii wakati taleta kishina ya ufariji. Juste pour nous fortifier. Kwa ajili tu ya kumipa moyo. Comme on n'a pas le temps, nous pouvons prendre nos Bibles. Vile atuna na wakati tunaweza chukua Biblia zetu. Dans Genèse chapitre 1, mukitabu kya Mwanzo sura yake ya kwanza, verset 26 jusque à 27. Mustari ya 26 kwenda fika 27. Genèse chapitre 1er, Mwanzo sura yake ya kwanza, verset 26. Mustari ya 26. Puis Dieu dit, kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, fanyeni mutu kwa picha yetu, selon notre ressemblance, kulingana na ufananisho wetu, qui domine sur les poissons de la mer, atawale pa samaki za bahari, et sur les oiseaux du ciel, bandeke za anga, sur les batailles, banyama, et sur toute la terre, na pabdongo yote nzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, na panyama zote zinatambala pabdongo. Dieu créa l'homme et à son image, Mungu, il les créa à l'image de Dieu. Mungu aliumba mutu kwa picha yake, alimuumba kwa ile picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Aliumba mume na muke. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, Jean 16. Chukweni tena Yohano sura yake ya 16. Verset 7. Mustari yake ya 7. Cependant, je vous dis la vérité, ukweli, vous sera avantageux que je m'en aille, itakuwa ya lazima kwenu niende, car si je ne m'en vais pas, kwani kama nsiende, le consolateur ne viendra pas, ule mfariji atakuja kwenu, mais si je m'en vais, kwa lakini kama minaenda, je vous l'enverrai, temitumiaye. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kwa usomi wa neno lake. Le sujet ce matin, je l'intitule la mère consolatrice. Kishina iwakati naita bahari ya ufariji. Alleluia. Alleluia. Je
Je veux que vous soyez avec moi. Napenda mukwe pamoja na mimi. Et que cette parole vous console. Na ineno imifariji. Que cette parole vous enlève dans un état de tristesse. Ineno imiondoe katika hali ya huzuni. Vous savez, najua, Jésus avec ses disciples. Yesu na wanafunzi wake. Le disciple ne voulait pas que Jésus s'en aille. Wafasi hawakuwa na penda Yesu aende. Il voulait demeurer avec Jésus pour toujours. Walipenda kubakia na Yesu kwa ajili ya lote. Ça c'est le sentiment humain que ile nous avons. Ile ni nia ya umutu inatusukuma. Ça c'est le pensée que nous avons. Ile ni mawazo ile tuko nayo. Mais si vous devenez un peu spirituel. Walakini kama unakuya kwa kiroho zaidi. Jésus voulait amener ses disciples à un niveau un peu spirituel. Yesu alipenda kupeleka wafasi wake mukipande ya kiroho zaidi. À ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Non, Apana, tu ne peux pas partir. C'est toi. Non, Apana, ma présence n'est pas importante que mon absence. Je veux que quelqu'un dise amen. Apana, la présence de Jésus physique est moins importante que son absence. Il voulait amener ses disciples à comprendre que si je ne pars pas, vous ne serez rien. Vous ne recevez pas quelque chose d'important. Vous serez toujours des suiveurs. Vous serez toujours en train de dire des amen. Mais si je m'en aille, ce n'est pas seulement des suiveurs. Vous entrez dans la chose. Vous devenez le participant de cette chose-là. Oh, je veux que quelqu'un dise amen. Et ce soir, je ne veux pas que tu sois seulement membre de cette église. Je ne veux pas que tu sois seulement un suiveur d'un pasteur. Oh, si le pasteur est parti, je suis foutu. Je ne veux pas que tu restes à ce niveau-là. Il faut que tu montes que même si le pasteur est parti, j'ai l'espérance. Qu'un jour je le verrai. Est-ce que tu as l'espérance? Il faut que tu mentes, mon frère. Il faut que tu mentes, ma soeur. À comprendre que il est avantageux. Il y a des fois avantageux que nos bien-aimés nous laissent. Il nous est encore avantageux que les gens partent pour nous donner l'espérance qu'un jour il y a un pays quelque part. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Jésus dit il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en aille pas, l'Esprit Consolateur ne viendra pas. La consolation, ce n'était pas Jésus. La consolation, c'était l'Esprit de Jésus dans le peuple. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? C'est pourquoi Jésus, il avait déjà compris qu'il faut que ce peuple comprenne. Il faut qu'il comprenne qu'il y a quelque chose de supérieur que ma présence. Il faut que je m'en aille pour que l'Esprit Consolateur vienne. Si je ne pars pas, cet esprit ne viendra pas. Et ce soir,
Je veux vous amener cet esprit consolateur. Je ne peux pas vous consoler moi. Mais il y a un esprit consolateur qui viendra vous consoler. Si tu es prêt ce soir et que tu ouvres ton cœur, tous les soucis au nom de Jésus, tous les problèmes au nom de Jésus, aujourd'hui, Dieu lui-même qui sera votre consolation. Et vous allez trouver que c'est une mère, ni bari, maman, ni maman, une mère consolatrice, ni mama mwenye na fariji. Frère, si il y a la consolation, kama kuko ufariji, c'est dans une mère, ni ndani ya mama. Dieu lui a donné les capacités, Mungu alimpa ile uwezo, de consoler, ya kufariji. Il lui a donné la capacité alimupa uwezo d'amener quelqu'un qui était haut ya kupeleka mtu alikuwa yulu descend kumshusha. Même les lions ata simba une mère mama a la possibilité, il peut maîtriser un lion eko na uwezo anaweza kutuliza simba. C'est pourquoi cet esprit-là n'était pas dans le Père. Le Père ne pouvait pas nous consoler. Baba kuweza kutufariji. Cet esprit-là n'était pas dans le Fils. Il a marché avec eux. Alitembea nao. Il ne pouvait pas les consoler. Il a dit, alisema, il faut que je m'en aille. Et quand cet esprit vient, na wakati ile roho inakuja, il vient dans une mère. Inakuya ndani ya mama. Il vient se mettre dans une inakua mère. Inakuwa kutingiza ndani ya mama. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hey, si mtu anasema amen. Oh, Père de Dieu. Jésus. Yesu. Il était le mâle. Alikuwa kandume. Mais l'église, walakini kanisa, c'est la femelle. John Dike, cet esprit de consolation ya ufariji, n'est pas en Jésus. Aiko ndani ya Yesu. Ne travaille pas en Jésus. Aitumike ndani ya Yesu. Jésus est un homme. Yesu ye ni mume. Mais il vient walakini, dans l'église kanisa, parce que c'est une mère, wani kanisa ni mama, la consolatrice. Ufariji. Est-ce que vous pouvez dire amen? Tunaweza sema amina. Au commencement, kule mwanjo, quand Dieu a dit, wakati ile Mungu alisema, créons l'homme à notre mtu kwa picha zetu, et à notre ressemblance, na kwa ufananisho yetu. Et quand il a créé l'homme, l'homme à l'image de Dieu, kwa picha ya Mungu, c'était l'homme esprit. Ilikuwa ni mtu roho. Ce n'est pas cette chair. Aiko ii mwili. C'est l'homme esprit. Ni mtu roho. Et cet homme esprit, na ule mtu roho, était double. Alikuwa na sehemu mbili. Il était homme. Alikuwa mwakati moja mume. Alikuwa mwakati moja moja ile mke. Et Dieu, na Mungu, il était aussi, naye pia alikuwa homme. Muke, et, na mume, et il a créé l'homme à son image. Kwa picha yake, il était homme. Ule mtu alikuwa et femme. Mume na mke. C'est pourquoi je vous dis, mana na kuelezea, si tu es homme, kama uko mume, tu n'es pas l'image de Dieu. Auko kwa picha ya Mungu. Si tu es une femme, kama uko muke, tu n'es pas l'image de auko Dieu. Wa picha ya Mungu. Dieu n'est pas un homme. Mungu asiko mume, n'est pas une femme. Asiko muke. Mais il est homme, eko femme. Muke, mume. C'est ça l'image de ni Dieu. Njo picha ya Mungu. Quand tu es homme, wakati kumu tu umume, es une partie de Dieu. Uko sehemu tu es incomplet. Aujaeneana. Tu deviens complet. Unaeneana. Quand ta femme wakati se lit, ile mke wako là, tu tiens na wewe à l'image de Dieu. Unakuwa sasa kwa ile picha ya Mungu. C'est pourquoi un homme, ni kwa maana mume, sans la femme, bila muke, ne peut pas faire des exploits. Awezi kufanya maujasiri. Et la femme, na mke, sans l'homme, bila mume, ne peut pas faire awezi des exploits. Il faut l'unité de inabidi Dieu. Umoja wale cela wawili amène la puissance. Ile inaleta uwezo. Mais la consolation ufariji, n'est pas dans la partie mâle. Aiko ndani ile sehemu mume ndume. C'est dans la partie ni sehemu ndike ya Mungu. La mère consolatrice. Ule mama mfariji. Amen.
Vous devez connaître unapasha kujua que Dieu ya kwamba Mungu il est mâle et femelle. Eko muke na mume. C'est pourquoi quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuya, il était aussi mâle et femelle. Na muke. Et Dieu les a séparés. Na Mungu aliwatenganisha. Il a donné un sommeil. Alimpatia usingizi. Il a retiré la partie aliondoa ile sehemu ya ukike. Et Jésus aussi, na Yesu pia, à la croix, kule msalabani, Dieu a fait la même chose. Mungu alifanya ile kazi moya moya. Il lui a séparé. Alimtenganisha. Il a fait sortir la partie ile sehemu ya kikike. Alléluia. Je vais seulement parler de quelque chose pour ne pas entrer en profondeur. Mais regarde, frère. Quand Dieu veut consoler un homme en problème, il ne vient pas comme un homme. Quand il vient comme un homme, il vient sauver. Mais quand il veut consoler, il vient comme une femme. Alléluia. Quand Abraham était dans les troubles, wakati Ibrahim alikuwa katika matatizo, Dieu n'est pas venu comme un homme. Mungu asikuwa kama mume. Il était dans les troubles, on dit. Alikuwa. On dit qu'Abraham, wanasema Ibrahim, était troublé. Alikuwa katika mgorogoro. Pas d'eau. Hakuna maji. Des problèmes, pas de matatizo, hakuna chakula. Sa femme n'a pas d'enfant. Mke wake ana mtoto. Et ce jour-là, na ile siku, Baba namdi, Mama anasema, Sarah l'a embrouillé. Sarah alimvurusha kabisa. Ils sont allés visiter Lot. Walienda kumtembelea Loti. Ils ont trouvé Lot avec l'argent. Wanakutanisha Loti na pesa. Ils ont trouvé Lot habillé en lin. Wanakutanisha Loti mwenye kuvala sufi. Et Baba namdi, la femme de Lot, muke wa Loti, elle était habillée en lin d'Égypte. Alikuwa chakuvala sufi ya Misri. Mais regardez Sarah, walakini tazameni il Sarah, était dans les sacs. Alikuwa na mansaka. Sarah dit non. Sarah anasema hapana. Toi tu me dis que toi tu as Dieu. Wewe unyeleza sema kuna Mungu. Et Lot ici n'a pas Dieu. Lot huyu hana Mungu. Regarde ce que moi j'ai. Angalia mvalio yangu. Regarde celui que tu dis qu'il n'a angalia pas la, n'a pas Dieu. Ana na Mungu. Allez. Hein? Et son mari il est gouverneur. Na mume wake ni liwali. Frère, ce n'est pas ça ce qu'il dit que tu as Dieu. Nduku aliko ile nasema huko na Mungu. Frère, madame dit avec ça parce que les femmes aiment beaucoup de choses comme ça. Wanawake wanapendaka zaidi vitu vya vile. Vitu vile iko na ngale kuna meremeta na shangaisha. Il est allé embrouiller Abraham. Alienda kumtamania. Il a embrouillé Abraham. Alienda kumvurusha Ibrahimu. Comme Abraham était embrouillé. Vile Ibrahimu alikuwa shakuvurushwa. Il était tourmenté. Alikuwa katika mangaiko. Il est allé se mettre sur l'arbre. Alienda kukala chini ya muti. Il disait Seigneur. Alikuwa anasema Bwana. Je suis foutu. Mie kwangu kunaisha. Des problèmes sur problèmes. Ma mambo pa ma mambo. Deux minutes. Ma mambo tu kwa ya ndo. Mtu anakuya. Il n'y a pas la nourriture. Asema kuna chakula. Diva chez. Hakuna chakula. Diva chez mort. Ba nyama ba ngombe 10 banakufa. Deux minutes. Dakika chache. Mtu anakuya. Il n'y a pas de l'eau. Hakuna maji. On a perdu. Vite. Tunafisha tena manyama. Ambrie. Anavurushwa kabisa. Il pensait pour avoir un enfant. Alikuwa na waza pate mtoto. Sans enfant. Bila mtoto. Il n'a pas d'enfant. Ana mtoto. Il n'a pas d'espoir. Ana tumaini. Et il reste. Na anabakia. Il commence à penser. Anaanza kuwaza. Seigneur, Bwana, faut mieux mourir que vivre. Ni mzuri kufa pahali ya kuishi. Pourquoi tous ces problèmes arrivent à nous? Kwa nini matatizo yote unanifikia? C'est ce que vous pouvez dire. Eh, najua kwamba pourquoi ça ta peine nous arrive? Kwa nini mambo naweza kutufikia mpaka shehe? Pourquoi le temps que nous voulons dédicacer notre temps? Kwa nini wakati leo tunapenda kutolea kali yote? Tu es un pasteur. So, Mungu anakuwa anachukua mtaji. Pourquoi seulement nous? Bwana, kwa nini mpaka shehe? Abraham. Wakati le Ibrahim. Il était en tête de douleur avec des douleurs. Alikuwa na maumivu. Au ciel il y avait une conférence. Mbinguni kule kulikuwa. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Oh, ne pleurez pas, frère. Quand vous êtes en train de pleurer, il y a une conférence quelque part.
Alléluia. Alléluia. Dieu réunit Gabriel. Gabriel. Il réunit Michael. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alasema, leo ni siku kubwa. Abraham pleurait. Wakati le Abraham alikuwa analia. Le ciel appelait cela. Mbingu ilikuwa inaita hiyo. Le grand jour. Siku kubwa. Aujourd'hui, leo, c'est le grand jour. Siku kubwa. Je vais aller visiter mon ami. Mes peuples de Dieu. Votre douleur touche le ciel. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Alléluia. Ce n'est pas le jour des douleurs. Ce n'est pas le jour des pleurs. Il y a une conférence au ciel. Je veux vous visiter. Dieu descend. Il dit, nous allons visiter Abraham. Tuende tukamtembele Ibrahimu. Il prend un corps. Anachukua mwili. Il met Gabriel. Anaingiza mo Gabrieli. Il met un autre corps. Anachukua mwili ingine. Il met Mikael. Anaingiza mo Mikaeli. Il dit oh. Banasema hey. Depuis qu'on était des esprits. Tangia che tulikuwa maro. Aujourd'hui. Leo. Nous avons palpé ce qu'Adam avait palpé. Tuna gusa kenye Abraham. Kwa ajili pour Abraham. Kwa ajili ya Ibrahim. C'était le jour de douleur. Ilikuwa ni siku ya uchungu. Mais Mikael. Lakini Mikaeli. C'était spécial. Ilikuwa siku ya upekee kwake. À cause de cette douleur là. Kwa ajili ya ile uchungu ile. Leo niko mumwili. Je vais marcher. Nitatembea. Oh mes frères. Eh bandugu yangu. Eh je prends un autre corps. Na Mungu anachukua mwili mwingine. Il entre dedans. Anaingia mule ndani. Je dis. Mungu anasema aujourd'hui, j'ai fait un corps. Leo nalifanizia mwili. Je vais aller visiter Abraham. Naenda kumtembelea Ibrahim. Vous savez, frère. Unajua nduku? Il pouvait être sur place sur Abraham. Aliweza kuya pale palikuwa Ibrahim. Il vient de loin. Lakini banatokea mbali. Commencer à marcher. Wanaanza kutembea. Pourquoi ils ont voulu marcher? Kwa nini balipenda kutembea? Plus qu'ils sentent les douleurs. Zaidi wanashikia uchungu. Plus que la puissance les attrape. Zaidi uwezo nawashika. Est-ce que vous pouvez dire amen? Eh, tunaweza sema amina. Et ils ont commencé à marcher. Wanaanza kutembea. Pour que le pied soit sale. Ndio mikulu ichafuke. Il devait descendre là-bas. Le pied ne pouvait pas être sale. Mikulu haikuweza kwa kuchafu. Il fallait qu'il reste à distance. Ilibidi bachukie kule mbali. Que le pied soit sale. Bafike mikulu ya kuchafu. Il n'y a rien pour rien. Hakuna kia bule. Dieu prépare son chemin. Mungu anatayarisha njia yake. Il faut que tu sois spirituel. Unapasha ukuwa kiroho. Pour que tu puisses comprendre. Fikie mkuelewa. Il fallait que Jésus s'en aille. Ilibidi Yesu aende. Pour que le consolateur vienne. Mfariji akuje. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Tunaweza sema amina. Et ils descendent. Ils marchent comme des hommes. Ils pouvaient parcourir ce chemin-là. Tout le monde les regardait. Tout le monde pouvait les saluer. Mais comme ils n'étaient pas concernés, ils ne pouvaient pas voir. Ils les saluaient. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ils étaient ordinaires. Ils étaient ordinaires. Walikuwa wa kawaida. Ils étaient comme tout le monde. Walikuwa kama watu wote. On les saluait par tout le monde. Walisalimia kama watu wote. Ce n'est pas seulement Abraham qui l'a vu. Haiko paka Ibrahim alimuona. Il y avait beaucoup de gens qui l'ont vu. Walikuwa wengi walimuona. Mais sans révélation. Walakini ufunuo. Ils pouvaient les saluer. Waliweza kuwasalimia. Ils pouvaient passer par l'église catholique. Waliweza kupita kanisa katolika. Les gens pouvaient les saluer. Alléluia. Watu waliweza kuwasalimia. Alléluia. Alléluia prédicateur. Alléluia mubiri. Bonjour. Jambo. Il ne passe pas les méthodistes. Anapitia kwa Shpiringa. Bonjour. Jambo. Parce qu'il n'avait pas, il n'avait rien. Wani hawakuwa na kitu. Il passe par les pentecôtistes. Anapita kwa Aporo. Bonjour. Amjambo. Mais quand il voulait passer par Abraham. Wakati anakuja kupitia kwa Ibrahimu. Un homme dans les douleurs. Mutu katika uchungu. Dans des problèmes qui poussaient. Katika matatizo yenye nguvu. Il cherchait une consolation. Alikuwa anatafuta ufariji. Il cherchait quelqu'un les toucher. Qui peut m'aider ce soir? J'ai des problèmes sur le cœur. Il avait besoin. Non pas de Dieu Père. Il avait besoin.
d'un Dieu maman, ya Mungu mama, El Shaddai, avec des mamelles, na majiba, Mungu mama, El Shaddai. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Tu n'as jamais dit amen. C'est lui là. Oule. Il avait la consolation en elle. Dieu maman, Mungu mama, c'est le Dieu des consolations. Ni Mungu wa ufariji. Et ce soir, nous allons amener le Dieu maman ici. Nous allons amener le Dieu consolatrice. La consolatrice. Nous allons l'amener. Si tu es prêt comme Abraham, tu vas dire, ne passe pas. Ne passe pas. Frère Anam dit, Abraham a fait semblant. Ibrahim a l'épouse. Dieu a fait semblant. Mungu alipuza. Il venait pour Abraham. Abraham. Mais il a fait semblant comme il passait. Alipuza, sato, parce pita. Qu'il savait que il y a une profondeur uko upana en Abraham. Dani ya Ibrahim. Il y a aussi une profondeur en moi. Tena upana cette profondeur upana ne mini. Peut pas se passer. Haiwezi kupitana. Si ça tient, il fallait d'abord qu'il passe. Pour sentir la profondeur. Dieu, c'est une profondeur. Abraham était aussi une profondeur. Tu es une profondeur. Dieu aussi, c'est une profondeur. Il y a une profondeur qui appelle. Il y a une autre profondeur qui accepte. Dieu, c'est la profondeur qui appelle. Nous sommes la profondeur qui accepte. Quand il passait, c'était la profondeur. Qui appelait? Et en Abraham, Abraham, il y avait une profondeur qui acceptait. Il a senti l'attraction. Oh, est-ce qu'il y a l'attraction? Il y a une attraction sur la montagne. Quand Dieu descend, quand Elohim descend, El Shaddai, il y a une profondeur. Il y a une attraction. Et aujourd'hui, cette attraction n'est pas au ciel, n'est pas en Amérique. Il est ici. Si tu as l'attraction, au nom de Jésus, la profondeur, appelle la profondeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Est-ce qu'il y a la semence d'Abraham? Est-ce qu'il y a l'épouse ici? Si vous êtes l'épouse, aujourd'hui, c'est votre consolation. La profondeur de ça. Abraham lui dit, je ne pars pas. Je ne pars pas. Laissez-moi d'abord laver tes yeux. Acha kwanza nioshe miguu yako. Et que tu manges un peu. Na ukule. Maintenant tu vas partir. Pale sasa njoo taenda. Et Dieu, na Mungu, il venait pour Abraham. Alikuwa nakuya njoo ya Ibrahimu. Il est venu pour la consolation. Alikuya kwa ajili ya ufariji. Il regarde Abraham. Anatazama Ibrahimu. Il dit Abraham. Asema Ibrahimu, je suis venu pour toi. Mimi nakuya kwa ajili yako. Il dit, mais toi d'abord tu manges. Asema kwanja ikala njoo kule. Il prend la nourriture. Achukua chakula. Dieu du ciel. Mungu wa mbinguni. Commence à manger. Ananza kula. Il mange le pain de maïs. Anakuria mkate ya muhindi. Il dit c'est la première fois que je mange. Asema njoo mara kwanza alikula ile mkate ile. Abraham. Ibrahimu. Et il savait. Na alijuaka. Que Abraham. Asema Ibrahimu. Était dans les troubles. Alikuwa katika mgorogoro. Il avait le poids sur le cœur. Alikuwa na mzito moyoni. Il avait des pleurs. Alikuwa na kilio. Il sentait ses pleurs. Alikuwa na sikia kilio. Quelqu'un qui disait je suis fini. Alikuwa anasema kunaisha kwangu. Qu'est-ce que notre église deviendra? Kanisa letu itakuwa je sasa? Qu'est-ce que nous rompons nous allons pas? Je, tutaenda je. Comment nous allons adorer? Alafu tutabudu je. Est-ce que Dieu nous donnera quelqu'un comme pronto? Eti Mungu atatukaburia mutu kapita. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va prendre notre position? Eti kutakuya mutu mwenye atatuongoza. Ndio. El Shaddai est là. El Shaddai yeko. El Shaddai. El Shaddai. Il vient avec des mamelles. Anakuwa na majiba mbili. Abraham dit. Mama anasema. Il est descendu. Anachuka. Avec les deux mamelles. Na ile majiba mbili. Il descend. Anachuka. Je avec mamelles. Mungu na majiba.
Et vous savez, frère, na mnajua, même dans la science, on connaît ata mu science, wanajua, que la, les mamelles de mama, ya kwamba majiba ya bamama, il y a tout pour l'enfant. Muko biote mwile majiba njua mtoto. La, les mamelles de mama, il est majiba ya mama, n'est pas seulement pour la nourriture de l'enfant. Aiko baka tu ya njua chakula mtoto. Les mamelles que vous voyez pour l'enfant, majiba ya mtoto le mnaona, il y a plusieurs rôles. Iko na makazi ya mingi. Il lui donne les vitamines, inampatia vitamine, il lui donne des protéines, inampatia protéine, il lui donne des calories, inampatia na calorie, il lui donne de l'eau, inampa na maji. Un enfant, mtoto, n'a pas besoin de l'eau. Ana lazima kunywa maji. L'eau de l'enfant, maji ya mtoto, est dans les mamelles. Iko ndani ya majiba ya mama yake. Quand l'enfant est triste, wakati mtoto una huzuni, la joie de l'enfant, furaha mtoto, sur le point psychologique, mukipande ya kipsikolojia, est dans les mamelles. Iko ndani ya rijiba ya mama yake. Quand l'enfant commence à vouloir la joie, wakati mtoto anaanza kupata furaha, l'argent ne lui donnera jamais cette joie. Franga aita mpaka ule mtoto furaha hata siku moja. Tu peux chanter comme l'ifoko du matin au soir. Unaweza kuimba sa l'ifoko kwanza asubuhi mpaka magharibi. L'enfant ne sera jamais dans la joie. Mtoto atakuwa na furaha hata mara moja. Mais, walakini, quand la mama s'approche, wakati mama nakaribia, la tristesse diminue, huzuni napunguka, la joie augmente, furaha inaongezeka. Oh, peuple de Dieu, taifa ya Mungu, dans les mamelles de El Shaddai, mumajiba ya El Shaddai, il y a la consolation, muko ufariji. À l'université, on nous a parlé ku university watuelezea de la psychologie de l'enfant. Psychologie ya mtoto. On dit, wanasema, même l'acte sexuel de l'enfant, asema ata utendo za ndoa ya mtoto, est dans le mamelle, iko ndani ya majiba ya mama. Donc quand l'enfant sent les sentiments sexuels, manake wakati mtoto nasikia nia ya tendo ya ndoa, anatafuta rijiba. On lui donne le mamelle, akimupe rijiba malamu atafurahi. Donc manake, il n'y a pas seulement la nourriture, hakuna paka chakula mulijiba. L'enfant est choc. Mutoto un choc. Eko na shoki du cœur. Ya moyo. Quand elle vient auprès de la maman, wakati anakuwa kwa mama yake, la maman lui donne le, mama yake anamupa rijiba, ça arrête ce choc. Itasimamisha le choc ya mtoto. C'est pourquoi, ni kwa maana, l'esprit consolateur, ile roho ya ufariji, devait venir que dans le, ilipasha kuia ni paka ndani ya bibi harusi. Et c'est le pouce, na ni bibi harusi, qui est la consolation, jo ufariji. Eh, je vous dis, na mimi nakuelezea, que El Shaddai, El Shaddai n'était pas un mâle, n'était pas un mâle, aukuaka ndume, c'était une femelle, alikuaka ndike, je mama, Mungu mama. Je vais essayer un peu de le pour lire ça. Mimi napenda kuisoma ile. Frère Banam dit, on n'a pas trouvé ça en français. Ah, je peux pas te moquer France. L'alliance grâce d'Abraham. Agano ya nema ya Ibrahim. Le 17 mars 1961. Ya 17 mars 61. Frère Banam dit, Bamasema. Dans l'autre cas, Moïse ngambo ingine. Il a paru à Abraham. Alionekana kwa Ibrahim. À 99 ans. Et Abraham n'était plus un homme dans les termes humains de parler. Il était un homme déjà foutu. Mais il était un bébé qui cherchait à le nourrir. Un homme qui était malade. Un homme qui était malade. Et son homme, sa nature d'homme, était déjà parti. Et le ventre de Sarah était déjà mort. Mais il a dit, je suis El Shaddai. Niko El Shaddai. Je suis celui qui porte le sein. Niko ule eko na maziba mbili. Je mama. Mungu mama. Mother God. Mungu mama. Donc Abraham,
Manake Ibrahim n'a pas adoré Dieu le Père. Akuabudu Mungu Baba. Na ndipo amasema ça c'est pour les gentils. Hii ni ya watu wa mataifa. Parce qu'Abraham, kwani Ibrahimu, il n'était pas juif. Akuyake Muyahudi. Il était un gentil. Alikuwa mtu wa mataifa. Alléluia. Amina. Quand Dieu va chez le juif, wakati Mungu anaenda kwa Wayahudi, il est mal. Eko ndume. Mais quand il vient chez les gentils, wakati anakuwa kwa watu wa mataifa, il est femelle. Eko ndike. El Shaddai. El Shaddai. C'est la promesse. Ni malako. Que Dieu a promis pour les gens. Ile Mungu alilaga kwa ajili ya watu wa mataifa. La consolation. Ufariji. C'est Dieu qui vient avec ma mère. Ni Mungu la anakuwa na maziba. Tous les problèmes. Mambo zote. Et dans le mamelle. Iko ndani ile maziba. Est-ce que vous pouvez dire amen? Na nasema amina. Frère Banam dit. Ubama nasema. Da El Shaddai. Mu El Shaddai. Qu'il a prêché le 16 avril. Il a lubiri mutari ya 1959. Il dit, regardez, il n'était pas un Dieu avec un mamel. Mais il avait deux mamelles. Là, c'était pour la bénédiction spirituelle. Et l'autre, c'était pour la bénédiction physique. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire hey, amen? Oh, j'aime ça. Hey, napenda hii. Il vient. Anakuya. Il connaît que vous avez des problèmes dans la chair. Anajua sema kuna matatizo mwili. Et vous avez des problèmes spirituels. Na kuna matatizo ya kiroho. Parce que vous êtes double. Kwani uko sehemu mbili. La chair a ses faiblesses. Mwili kuna maudhaifu yake. L'esprit aussi a ses faiblesses. Wao nayo pia kuna maudhaifu yake. C'est ainsi que Joivi Sacha mwenye kujua que l'âme est double, ya kwamba mtu yuko na masehemu mbili, il vient avec des solutions doubles, anakuwa na masuluhisho mbili pour kwa ajili ya mwili et pour les tena kwa ajili ya roho. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti unanielewa? C'est ainsi. Nivi il s'est mis là-bas. Alisimama pale. Il a dit à Abraham. Anaeleza Ibrahim. Je sais tes problèmes. Najua mambo zako. Je etete. Kuja na unyonye. Alléluia. Amina. Le même Dieu. Ule Mungu moja moja. El Shaddai. Ule El Shaddai. Alléluia. Amina. Qui a visité Abraham. Yali tembelea Ibrahim. Abraham était Dieu. Ibrahim alikuwa mzee. Dieu lui a donné ma mère. Mungu alimkabria rijiba. Le corps commence à changer. Mwili naanza kubadilika. De la vieillesse. Kutoka kubuze. Il est devenu Dieu. Kijana, il n'avait pas la force d'un homme. Akuwe na nguvu ya bubu ya bwanaume. Bana munyonyesha tena. Wakati ananyonya, il devient fort. Anakuwa na nguvu ya bwanaume. Alléluia. Amina. Il n'avait pas des animaux. Akuwe na manyama. Quand on lui donne là, wakati anampatia, il a restauré les animaux. Akamrudishia manyama. La nourriture est revenue. Chakula karuria. Leo est revenu. Maji karuria. Regarde dit. Mungu anatazama anasema, physiquement tu es OK. Mukimwili unaeneana. Il regarde spirituellement. Il n'avait pas Dieu. Il n'avait pas de bébé. Aukwe na mwana mchanga. Il dit, tu dois avoir Christ. Anasema unapaswa kuwa na Kristo. Prasa. Ala nyonya. Et quand il prasa, anapata na nyonya, on l'a restauré. Bakamrudishia. La semence royale d'Abraham. Ile mbegu ya kifalme ya Ibrahimu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eh, tunanyelewa. Le même Dieu. Ule Mungu moja moja. Qui a visité Abraham. Alitembelea Ibrahimu. Au temps du soir. Wakati wa mangalibi. Il a préparé un corps. Alitayarisha mwili. Il s'est fait un corps. Alitifanizia mwili. Ne bois pas. Usikunywe. Ne fume pas. Usifute. Ne suis pas ton usichafule corps. Mwili yako. Parce que wani, un jour, siku moja, obele, ubeleri, on fait le ship, on fait le ship, ils seront dans les douleurs. Watakuwa katika mauchungu. Je leur donnerai mes tawapatia maziba yangu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Eh, tunaweza kusema amina. Mon frère, ndugu yangu, dit il est venu pour moi. Sema alikuja kwa ajili yangu. Il n'est pas venu pour tout le monde. Asikukuje kwa ajili ya wote. Et dans cette salle, na mwikanisa, je ne prêche pas tout le monde. Mishuhubiri watu wote. Je te prêche toi. Mimi nakuhubiri wewe. Je suis ici pour toi. Niko hapa kwa ajili yako wewe. El Shaddai. Yeye El Shaddai. C'est pas pour tout le monde. Asina kwa ajili ya watu wote. Ne regarde pas à gauche à droite. Usitazame kushoto na kulia. Même si quelqu'un pleure. Asa kama mtu analia. Ne regarde pas. Usimtazame. Il est venu pour moi. Yeye alikuja kwa ajili yangu. Et aujourd'hui, na leo, je suis ici pour toi. Niko hapa kwa ajili yako. El Shaddai. El Shaddai, il a envoyé ce message pour toi. Alituma hii ujumbe kwa ajili yako. Le message de l'heure. Ujumbe wa wakati. C'est El Shaddai parmi vous. El Shaddai katikati yenu. Il a deux mamelles. Yeko na maziba mbili. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tunaweza sema amina. Il
y a les bénédictions physiques. Kuko mabaraka ya kimwili. Il y a des bénédictions spirituelles. Kuko mabaraka ya kiroho. Alléluia. Alléluia. Dale mameli de El Shaddai. Ndana mameli ya El Shaddai. Il y a la consolation. Kuko ufariji. Si vous avez, vous n'avez pas la paix. Kama unana salama. Dale mameli. Ndana ile majiba. Il y a la paix. Muko salama. Est-ce que vous pouvez dire amen? Unaweza sema amina. Si vous avez les troubles. Kama una mangaiko. Dale mameli. Ndana majiba. El Shaddai. Ya El Shaddai. Il y a la consolation. Muko ufariji. Est-ce que vous êtes avec moi? Eh, hey, tu n'anielewa. Est-ce que vous êtes avec moi? Eh, hey, tu n'anielewa. Aujourd'hui, El Shaddai. El Shaddai est descendu sur la terre. Alijuka duniani. Avec des mamelles. Na majiba mbiri. Avec les mamelles. Na majiba. Pour les spirituels. Kwa ajili ya kiroho. Et notre. Na ingine. Pour les physiques. Kwa ajili ya kimwili. Est-ce que vous êtes un bébé? Ukuma na mchanga. Je n'ai pas besoin des adultes. Sina lazima batu ya kukomea. J'ai besoin des bébés. Sina lazima wana qui nous veulent apprendre. Wale wanapenda kujua. J'ai besoin des bébés. Sina lazima wana qui aiment tété. Wale wanapenda kunyonya. Qui ont besoin de tété. Wale wana lazima kunyonya. Qui ont besoin de la consolation. Wale wana lazima ufariji. Qui ont besoin de El Shaddai. Wale wana lazima El Shaddai. Il est ici. Eko apa. Si tu es là. Kama uko apa. Les bras est ouvert. Mikono eko wazi. Le chest de God. Le mwili. La poitrine de Dieu. Ilari ya Mungu. Est si grand. Il est en train de vous appeler. Je suis El Shaddai. El Shaddai. Je connais tes problèmes. Dans mes poitrines. Est-ce que vous êtes avec moi? Montons maintenant dans les poitrines d'El Shaddai. Quittons maintenant les physiques. Soyons maintenant spirituels. Entrons dans les papabels. Si vous êtes là-bas, El Shaddai est ici. Shaddai est au nom de Jésus. La Yesu. Au nom de Jésus. La Yesu. Tous les troubles que vous avez. Yote nous avons yo. Les mamelles ici. Na majiba dans les mamelles. Nyonya, au nom de Jésus, tous les troubles que tu as, sors. Est-ce que tu les crois? Si tu es malade, au nom de Jésus, pas demain. Aujourd'hui, Leo, au nom de Jésus, la Yesu, sois guéri. Est-ce que vous les croyez, Père? Nous ne sommes pas des juifs. Nous ne sommes pas des juifs. Pour vous imposer les mains. Ça, c'est pour les juifs. Nous, nous sommes les gentils. Les gentils n'ont pas besoin de mains. Alléluia. Alléluia. Le capitaine a dit. Le capitaine romain. Il a dit Seigneur. Je n'ai pas besoin. Que tu me touches. Je n'ai pas besoin. Que tu viennes chez moi. Non. Je sais que tu es El Shaddai. Tu es le commandant suprême. Parle seulement. Parle seulement. Parce que moi je suis le commandant. Si je prends un autre. À gauche. C'est à gauche. À droite, Kulia, c'est à droite. Kulia. Devant, Mbele, c'est devant. Mimbele, derrière, Nyuma, c'est derrière. Ninyuma. Mais toi, Walakini tu weye. Es plus qu'un capitaine. Unashindia kapiteni. Le plus qu'un capitaine est ici. Ule unashindia kapiteni le kwa plus qu'un capitaine est ici. Unashindia kapiteni au nom de Jésus. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Je n'ai pas de vous toucher. Mishina lazima kugugusa. La promesse, c'est le bamen. Malako ni majiba. La parole. Neno. La promesse. Malako, c'est la puissance. Ni uwezo. Si vous êtes prêts, kama uko tayari, recevez cela. Pokea yo. Et tous vos problèmes. Pokea njua mambo yako yote. Pas demain. Hapana kesho. Je ne crois pas le Dieu de demain. Yeshamini ule Mungu wa kesho. Je ne crois pas le Dieu de demain. Yeshamini ule Mungu wa kesho. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Cette écriture est accomplie devant vos yeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Au nom de Jésus, tous les troubles dans votre famille, dehors. Tous les sorciers dans votre famille, dehors. Tous les toits, tous les problèmes, toutes les maladies, souffrances, inquiétudes. Votre place n'est pas ici. Votre place n'est pas ici. Au nom de Jésus, dehors.
Inje. Aujourd'hui. Léo. Au nom de Jésus. La Yesu, vous êtes libre. Mouisa kuya uru. Je vous donne le jubilé. Nami pa yubile. Je vous donne le jubilé. Mi pa yubile. Si vous êtes ici. Nama kuapa. Le jubilé est allé ma mère. Yubile comme ma si tu veux être libre. Nama uko uru. Allez ma mère del Shaddai. Au nom de Jésus. La Yesu, vous êtes libre. Muko mwenye uru. Alléluia. Alléluia. La trompette a sonné. La panda inalia. Le message a sonné. Ujumbe inalia. La consolatrice est ici. Ufariji ekwa. Si le diable était sur toi. Ama shetani alikuya. Dites-lui. Umweleze. Écoute la voix. Sikia sauti. C'est la trompette. La panda. C'est El Shaddai. Ye El Shaddai. Au nom de Jésus. Ujina la Yesu. Descends. Chuka. Aujourd'hui. Léo. Tous les démons dans votre cœur. Ma pepo yote moya. Descends. Chuka. J'ordonne l'adultère. Mina urusa mshara. Descends. Chuka. L'incrédulité. Utokwamini. Descends. Chuka. L'esprit d'absence à l'église. Ulafulofo kanisa. Descends. Chuka. Les soucis. Mangaiko. Descends. Chuka. Je vous donne la joie. Nami pafura. Prenez les mamelles d'El Shaddai. Je vous donne la joie. Nami pafura. Est-ce que vous avez besoin de la joie? Si vous ne lazime afura. Je vous le donne au nom de Jésus. Nami payo mujina la Yesu. La joie n'est pas au ciel. Fura ina mbinguni. La joie n'est pas au ciel. Fura ina mbinguni. Je l'ai dans mes mains. Niko na mbinguni. C'est lui qui le croit. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Je te le donne. Namu payo. L'El Shaddai. El Shaddai. La maman consolatrice. Mama mufariji. N'est pas en Amérique. Ashina ku Amerika. Elle est ici pour toi. Eko apa kwa jina. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Si tu n'as pas le mariage, ama una au nom de Jésus, mujina la Yesu, le mariage, chukua je te le donne. Chukua na alléluia. Alléluia. Le mariage indoa n'est pas au ciel. Aina mbinguni. Dans le mamelle d'El Shaddai. Prenez la promesse. Wewe chukua au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Recevez cela. Pokea yo. Alléluia. Alléluia. Vous êtes les enfants du roi. Mko batoto mfalme. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Parle. Sema. Peuple de Dieu. Taifa Mungu. Ce n'est pas l'état de crier. Aiko wakati ya kuriaria. Ce n'est pas l'état de pleurer. Aiko wakati ya kuriria. Parle. Wewe sema tu. Tout ce que tu as besoin. Yote ile uko nayo lazima. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Parle. Pokea. Si tu as besoin. Kama uko na lazima. De l'argent. Ya franga. Ne pleure pas. Usirie. L'argent n'est pas au ciel. Franga ina mbinguni. L'argent est dans les messages. Franga iko katika ujumbe. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Parle. Pokea. Si tu le crois. Kama uko na amini. Recevez l'argent. Pokea franga. Ça c'est le matériel. C'est le physique. Ta maladie. Ma qui a fait des années. Aujourd'hui. Mutleo. Est-ce que tu le crois? El Shaddai. El Shaddai. Et ici. Eko apa. Viens avec ta maladie. Viens avec ta maladie. Na au diable. C'est mon jubilé. Descends. Chuka. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Est-ce que vous les croyez? Et tu les amini? J'ai besoin des croyants. Niko na lazima awamini. Est-ce que les croyants sont dans la salle? Amini fube kwa apa? J'ai besoin des croyants. Niko na lazima baamini. J'ai besoin des croyants. Niko na lazima baamini. Si vous êtes un croyant. Ama uko muamini. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. J'ai béni fellowship. Na bariki fellowship. J'ai béni fellowship. Na bariki fellowship. Tous les démons. Ma pepo yote. Qui cherche à écrouler. Niko na tafuta kuangusha. Fellowship. Fellowship. Aujourd'hui. Leo. Sous notre pied. China mikulu yetu. Est-ce que vous êtes avec moi? Niko na nyelewa. Dites victoire dans votre cœur. Sema ushindi mumoyo yako. A commence maintenant aujourd'hui. Kuanzia leo. La victoire entre dans cette église. Ushindi na ingia mu ikanisa. Je vous donne la victoire. Na mipatia ushindi. Cette victoire vous appartient. Ushindi ni yenu. Ce n'est pas un cadeau. Aiko zawadi. C'est votre droit. Ni haki yako. Vous êtes les enfants du roi. Uko watoto. Réclamez vos droits, frère. Mudai ma haki zenu. Réclamez vos droits. Mudai haki zenu. Alléluia. Alléluia. Je n'étais pas créé. Mwisi Mungu asikukuumba. Dans la souffrance. Chukwa mateso. Je ne t'ai pas créé. Mungu asikukuumba. Que tu restes soucieux. Njuba kena mashida. Je t'ai créé. Mungu alikuumba. Pour louer le nom de l'Éternel. Kwa kusifu jina wa milele. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Tout âme. Kila sila. Tout âme. Kila sila. Loue l'Éternel.
Nafsi yote msufi wa milele. Est-ce que tu es l'âme de Dieu? Et tu nafsi ya Mungu. Est-ce que tu es l'âme de Dieu? Et tu nafsi ya Mungu. Si tu es l'âme de Dieu. Ame kwa nafsi ya Mungu. Loue l'Éternel. Umusifu wa milele. Proclame ta victoire. Tangaza ushindi yako. Dit au diable. Eleza shetani. Je ne suis pas pour l'échec. Mie mishina njua kukosa kuweza. Oh frère. Les gens de ce monde. Bantu ya iduria. Même itile. Ata itile. Il a échoué. Alishindua. Tyson, Mike Tyson. Mike Tyson. Un jour on l'a tapé. Shiku moya bali mupika. Ali. Ali. Un jour on l'a tapé. Bali mupika shiku moya. Mais Jésus. Walakini Yesu. On l'a jamais tapé. Abacha mupikaka. Et si tu es Jésus. Na kama uko na Yesu. On ne te tapera jamais. Abata kupikaka kamwe. Est-ce que tu es l'épouse? Eh tuko bibi harusi. Est-ce que tu es l'épouse? Eh tuko bibi harusi. L'épouse c'est Jésus au féminin. Bibi harusi ni Yesu kukike. Ton nom c'est Jésus. Jina lako ni Yesu. Tu es madame Jésus. Uko bibi wa Yesu. Ton nom c'est Jésus. Jina lako ni Yesu. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Jina lako ko yule majina lote. Tous les noms de la terre. Majina yote ya dunia. Ton nom est au-dessus. Jina yako ko yule majina yote. Parce que tu as eu un nom. Ulipokea jina. Quand tu as cru à Jésus. Wakati uliamini Yesu. Tu es devenu madame Jésus. Utakuwa bibi wa Yesu. Utilize ton nom. Tumia jina yako. Utilize ton nom maintenant. Tumia jina yako sasa. Alléluia. Utilize ton nom. Tumia jina yako. Dis au diable. Eleza shetani. Je suis Jésus. Niko Yesu. Et quand le nom de Jésus est prononcé. Ndani wakati unatangaza jina Yesu. Geena. L'enfer. Geena. Tombe. Inaanguka. Est-ce que vous le croyez? Unaamini? Il ne faut pas. Aipashwe que tu craignes les sorciers. Uongope baloji. C'est les sorciers qui doivent te craindre. Ibaloji ndio wanapasha kukongopa. À partir d'aujourd'hui. Kwanza leo. Tous les sorciers de Bélé. Baloji bote ba Bélé. Tous les sorciers de Bélé. Baloji bote ba Bélé. Au nom de Jésus. Kujina la Yesu. Sous votre autorité. Jina mamlaka yetu. Je vous donne la victoire. Nalipatia ushindi. Je vous donne l'autorité. Nalipatia mamlaka. Tout ce que tu as besoin. Bote ile kona yo lazima. Et dans le message. Iko katika ujumbe. Proclamez votre sort. Proclamez votre sort. Si tu veux devenir milliardaire, ça dépend de toi. Si tu veux devenir en bonne santé, ça dépend de toi. Je vous dis une chose. Si vous allez chez Dieu, je suis malade. Il va te dire que j'étais déjà guéri il y a longtemps. Tu viens demander ce que je n'ai pas. Oh, j'ai besoin de la victoire. Jésus te dira. Je vous ai déjà donné la victoire il y a 2000 ans. Je n'ai pas la victoire. Je n'ai pas la victoire. Alléluia. Moïse. Moussa. Quand il y a eu des troubles comme vous avez eu, les soldats derrière, Baskari nyuma, l'océan devant, Bahari mbele, ils commencent à crier. Ananza kulalamika. Donne-moi la victoire. Unipatia ushindi. Donne-moi la victoire. Unipatia ushindi. Dieu lui a dit. Mungu alimwelezea. Tu ne comprends pas ce que tu demandes. Auelewe kile kunaomba. Moïse. Musa. Ce que tu demandes. Kile kunaomba kile. Je ne l'ai pas. Nishina nakyo. Maintenant si tu ne l'as pas. Sasa kama una nakyo. Nous sommes foutus. Shia kwetu kunaisha. Je ne l'ai pas. Shina nakyo. Toute la rédemption des enfants. Ukombozi yote ya watoto. La victoire des enfants. Ushindi ya watoto. La guérison des enfants. Uponaji ya watoto. La consolation des enfants. Ufariji ya watoto. Et dans tes mains. Iko ndani mwako. Eh? Yes. Ndio. L'arbre que tu as. C'est la consolation du peuple. Jo ufariji ya taifa. Il ne faut pas encore crier tout. Aipache tena kunilalamikia mie. Il ne vient pas encore faire des bruits chez moi. Wewe usikwa kufanya makelele tena kwangu. Il faut que le peuple fasse des bruits de toi. Parce que tout ce que j'ai. Yote leo niko nayo. Je t'ai donné. Mimi nikupatia hayo. Eh? Eh? Il dit. Asema eh? J'étais ignorant. Asema nini? Je ne savais pas. Mishikujua. J'étais ignorant. Mishikwa najua. Eh? Eh? Je suis Dieu. Mimi niko Mungu. Je suis Dieu. Niko Mungu. Eh? Eh? Je suis puissant. Niko na uwezo. Je suis sauveur. Niko mokozi. Eh? Il regarde les enfants d'Israël. Atazama toto Israeli. Il dit peuple d'Israël. Asema taifa ya Israeli. Je ne savais pas qui je suis. Sikwa najua mimi ni nani. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Je connais qui je suis. Najua mimi ni nani. Les Égyptiens. Wana Misri. Que vous voyez. Wale mko naona. Vous ne les verrez plus. Amuta waonaka tena. Oh peuple de Dieu. Eh taifa ya Mungu. Le
même Dieu. Il a pris le bâton du message. Il vous a donné. Si vous avez le bâton, le nom de Jésus. Vous avez le nom de Jésus. Le pouvoir est entre tes mains. Ne crie pas. Il y a des enfants. Tous les sorciers que vous voyez, vous ne les verrez plus. La pauvreté que vous voyez, vous ne la verrez plus. La maladie que vous voyez, vous ne la verrez plus. Fellowship tabernacle, comme serviteur de Dieu, j'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. Toute la souffrance que vous avez passée, à partir d'aujourd'hui, vous ne le verrez plus. El Shaddai fera plus que Kabea. Atafanya kushindia Kabea. Il fera plus que Richard. Atatimize vya kupitia Richard. Il est ici. Eko hapa. Richard est parti. Richard aishaenda. Mais El Shaddai. Lakini El Shaddai est ici. Eko hapa. Alléluia. Alléluia. Kabea est parti. Kabea alienda. Mais le consolateur. Lakini mufariji est ici. Eko hapa. Est-ce que tu as besoin de consolation? Kuna lazima ya ufariji. Recevez-le au nom de Jésus. Uipokee mujina la Yesu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Si tu es malade, au nom de Jésus, je vous donne la guérison. Possède maintenant toutes les portes de l'ennemi. Marche maintenant en héros. Bombe la torse. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Le septième messager n'était pas un frère l'ange. Il bombait la torse. De la victoire. Nous sommes dans cette septième message. Frère madame dit, le septième message. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le septième ange. Ule malaika wa saba. C'est William Branham. Ni William Branham. Et son groupe. Na kikundi yake. Pas seulement William Branham. Aiko paka William Branham. William Branham. William Branham. Et son groupe. Na kikundi yake. Est-ce que vous êtes le groupe? Eh, tu vas voir le kikundi. Est-ce que vous êtes le groupe de William Branham? Si vous êtes William Branham. Si vous êtes le groupe. Kama wewe kikundi. Bombe maintenant la torse. Bimbisha sasa kilari. Le diable n'a peur rien. Satan hawezi tena kitu. Devenez extraordinaire. Satan hawezi kitu. Vous détenez le septième son. Wewe uko na ile muri ya saba. Vous détenez la révélation. Uko na ufunuo. Le septième son. Ya muri ya saba. Bombe la torse. Bimbisha kilari. Quand le diable regarde. Wakati Satan anatazama. Il est fini. Kwake kunaisha. Madame dit, il y a des livres que le diable craint. C'est la Genèse. Et l'Apocalypse. La Genèse. Mwanzo, il commence. Ni pala lianza. Mais walakini, la révélation. Ufunuo, c'est sa fin. Ni mwisho yake. Tu es la fin du diable. Wewe yuko mwisho wa shetani. Tu es la fin du diable. Est-ce que tu es le septième son? Es-tu komuri ya saba? Bombe la torse. Bimbisha kilari. Le diable. Eleza shetani. Aujourd'hui. Leo. C'est ta fin. Kwako kunaisha. Je n'ai pas besoin du diable. Je n'ai pas besoin du diable. Je n'ai pas besoin du diable. Je ne vais pas attendre qu'on parle du diable. Si wewe usikia maneno ya shetani. Mais fais au diable. Maliza shetani. Mais fais au diable. Maliza shetani. Dis au diable aujourd'hui. Eleza shetani leo. Tu as tenu mon coup. Woli bamba. Aujourd'hui. Leo. Je reconnais qui je suis. Natambua mimi ni nani. J'étais ignorant. Mishikuwa najua. Aujourd'hui. Leo. J'étais tellement mamel. J'étais tellement mamel. Nilinyonya majiba. El Shaddai. Ya El Shaddai. Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert le cœur. Je connais qui je suis. Najua mimi ni nani. Aujourd'hui, leo, c'est ta fin. Ni mwisho yako. Pilepsi. Sema. Pilepsi. Kifofua. C'est ta fin. Ni mwisho yako. Malaria. Malaria. Covid. Et Covid. Sida. Ukimwi. Toutes les maladies. Il est ma magonjwa zote. Dites-le. Uyeleze. Aujourd'hui, leo, c'est ta fin. Ni mwisho yako.
Est-ce que tu le crois? Hey, tu je le crois au nom de Jésus. Je vous bénis. Soyez la tête. Soyez la tête. Dans votre famille. Soyez la tête. Dans votre travail. Soyez la tête. Dans votre quartier. Soyez la tête. Dans tout ce que vous ferez. Aujourd'hui, Léo. Je vous donne la tête. Aujourd'hui, Léo. Nous sommes dans l'âge. Non pas des pieds. Nous sommes dans l'âge. Kizazi, de la tête. Ya kichwa. Vous êtes dans la tête. Kichwa. Si vous êtes dans la tête. Kama kichwa, au nom de Jésus. La Yesu, dans tout ce que vous entremenez. Soyez la tête. Kichwa. Est-ce que vous les croyez? Yet, j'ai besoin de croyants. Nous n'a lazima bamini. J'ai besoin de croyants. Niko na lazima bamini. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Soyez libre. Mukuye uru. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Soyez guéri. Mukuye uru. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Prosper. Wendele. Prosper. Wendele. Prosper. Wendele. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Prosper. Wendele. Si tu le crois. Kama na amini. Je te donne. Na kupatia. La puissance. Uwezo. Illimité. Ya sipo na mwisho. De Jésus. La Yesu. Est-ce que tu le crois? Hey, tu amini. Est-ce que tu le crois? Hey, tu amini. Si tu le crois, come on, amini. Crie amen. Lala mika amina. Si tu le crois, come on, amini. Crie alléluia. Lala mika alléluia. Si tu le crois, come on, amini. Crie victoire. Sema ushindi. Tu le reçois, frère. Una ipokea. Et si tu le crois maintenant, na come on, amini. Dites Seigneur. Sema Bwana. J'ai besoin de cela. Niko na lazima nayo. J'ai besoin de cela. Niko nayo lazima. Utilise seulement ta foi. Oui, tu mis à tout imani yako. Ta foi seulement. Imani yako tu. On n'a pas besoin de quelque chose de compliqué. Atuna lazima kitu ya mvruko. Ta foi nous suffit. Imani na tuenea. Les mamelles sont là. Majiba ikuako. Les mamelles. Majiba. Sont là. Ikuapo. Utilise seulement la foi. Oui, tu mis à tout imani. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Recevez les doubles portions. Pokea sehemu mara mbili. Physique. Ya kimwili. Spirituel. Na kiroho. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Hey, tu ne amini? Est-ce que tu le crois? Hey, tu ne amini? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Hey, Seigneur? Tu n'as jamais mama sasa. Nous le croyons. Tu ne amini? Tu sais mais tu ne amini? Tu as réclamé ça. Sasa wilombe. Réclamez ça. Oui, l'ombe. C'est votre consolation. Ufariji yako. Maintenant, c'est le temps. Sasa njo wakati. Moi, je vous ai donné. Mie mina kupatia. Maintenant, recevez ça. Sasa wewe ipokee. Réclamez dans votre prière. Oui, l'ombe maombi yako. Seigneur. Sema Bwana. Je ne veux pas être. Misipende kuwa. Celui qui est en train. Ula lingia. Je veux être une autre personne. Mina penda kuwa mtu mwingine. Quand je sors. Wakati unatoka hapa. Que les gens voient une autre bantu personne. Bantu baone mtu mwingine. Un homme consolé. Mtu wewe kufarijiwa. Tu es en train de uliingia mwenye uzuni. On te va sortir. Bana kuona unatoka. Le septième ange. Malaika wa saba. Avec la torse pour lui. Na kilari yenye kuvimba. Alléluia. Amina. Le pasteur est mort. Mchungaji alikufa. Le diable vient. Shetani anakuya. Le pasteur est mort. Mchungaji anakufa. Baba. Il n'est pas mort. C'est toi qui dis qu'il est mort. Moi, il n'est pas mort. Il est seulement dans une autre dimension. Je le verrai. Il n'est pas parti. Je le verrai. Oh, alléluia. Le diable vient. Tu es malade. Tu es malade. Je n'ai jamais tombé malade. Je me sens bien. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Hey, tu ne amini. Je veux quand tu sors. Na pendo quand tu t'attoques. Dans ce bombé. Il a rien de couvert. Il faut que le diable sache. Na pasha shetani achue. Que tu es du groupe du septième ange. Asema wewe wa wile kikundi ya malaika wa saba. Est-ce que tu le crois? Hey, tu ne amini. On peut mettre maintenant les mains. Tu n'as jamais senti qu'on est tout juste. Alléluia. J'abandonne. J'abandonne tout. J'abandonne. J'abandonne tout. Mais tout. J'abandonne. Il est le premier aujourd'hui.
besoin. Nous pouvons maintenant entrer en prière. Ça, tu n'as pas oublié que tu Thank you.
Sors pas avec un poids.
besoin maintenant de vos poids. Il a besoin de tout ce que vous avez comme souci. Libère-toi non maintenant. Libère-toi maintenant au nom de Jésus. Libère maintenant ton cœur. Libère ton âme. Libère tes pensées. Dis au diable, maintenant je suis libre. Libère tout et reste libre au nom de Jésus. On peut maintenant lever nos mains. Tenez-nous debout maintenant. Avec nos mains levées. Dire au Seigneur, je ne veux pas sortir ici avec mes poids. Je ne veux pas sortir ici avec mes soucis. Je ne veux pas sortir ici avec la pauvreté. Je ne veux pas sortir ici avec un problème. J'abandonne tout à toi. Je veux être libre. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as consolé Abraham comme El Shaddai, nous avons besoin de ce El Shaddai ce soir. Que tout celui qui a les problèmes physiques, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la bénédiction physique. Qu'ils changent, Père. Qu'ils puissent recevoir, Seigneur, tout ce qu'il a besoin. Donne-lui les mamelles physiques au nom de Jésus. Et celui qui a le problème spirituel, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il le reçoive au nom de Jésus. Celui qui n'est pas adopté, qu'il le reçoive au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, donnez-les la liberté, Seigneur. Ils sont libres parce que, Seigneur, tu es venu pour la liberté. Et nous les croyons de tout cœur qu'à partir d'aujourd'hui, fellowship va progresser de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, de joie en joie. Oh Dieu, nous les croyons que tout celui qui avait le péché, au nom de ce message, que ce péché soit pardonné. Qui est l'expiation, le message de l'heure, que ce peuple soit sous le sang. Ne les regarde pas Dieu, mais regarde-les à travers le sang, le message de l'heure. Père, pour ce message et tout ce qu'ils ont besoin, au nom de Jésus. Qu'ils le reçoivent. Ceux qui n'ont pas des enfants, donnez-le le bébé. Ceux qui n'ont pas de mariage, donnez-le le mariage. Ceux qui n'ont pas de voiture, donnez-le père. Ceux qui n'ont pas de main à manger, nourris-le. Ceux qui n'ont pas les vêtements, vêtis-le. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel qui est avec William Branham puisse les accompagner partout où ils partiront. Au travail, à la maison, en cours de route, dans la voiture, partout, Seigneur, que tu sois avec eux. Je réclame aujourd'hui tous les démons qui les amenaient avec la main au joue. Aujourd'hui, toute la main au joue, je le fais descendre. Maintenant, c'est la main à l'air pour proclamer la victoire.
Je le crois d'être avec toi. Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité le soient donnés au nom puissant qui est au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les croyants peuvent dire amen? Est-ce que vous pouvez applaudir pour le Seigneur? Est-ce que vous pouvez applaudir pour le Seigneur? Applaudissez pour le Seigneur. Dites au diable, bye bye. Le diable, bye bye. Souci, bye bye. Inquiétude, bye bye. Pauvreté, bye bye. El Shaddai est venu. El Shaddai anakuja. La mère consolatrice est venue. Est-ce que vous pouvez dire bye bye au diable? Est-ce que vous pouvez dire bye bye aux soucis? Alléluia. Bombez la torse maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à bomber la torse? Que le septième saut soit dans vous. Que Dieu vous bénisse.